Novembre 2015, la France est dévastée par les attentats les plus graves de son histoire. 130 personnes sont abattues comme des chiens par une escouade d'islamistes illuminés. Devant un tel carnage, silence. Ça m'a marqué comme ça a marqué tous les Français. Je veux dire, c'est... Bon, je ne vais même pas en parler parce que c'est terrible, c'est horrible, c'est bon. Voilà, moi j'étais choqué, mais vraiment choqué quand j'ai appris ça. Et je me devais de faire quelque chose, de dire quelque chose en tout cas, par sympathie déjà. Et puis pour dire, pour que les gens sachent qu'il ne faut pas se laisser aller, il faut se battre quoi. Si on ne peut pas se laisser avoir comme ça, ce n'est pas possible. On n'est pas des... On n'a pas le droit de nous faire ça. Le 10 janvier 2016, à l'occasion de l'anniversaire de l'attentat de Charlie Hebdo, qui avait fait 12 victimes un an plus tôt, la République a décidé d'honorer tous les assassinés. Et quoi de mieux qu'un monument national pour leur rendre sobrement hommage? C'est le président de la République qui m'a demandé, où j'ai accepté avec plaisir, parce que comme j'avais enregistré justement cette chanson, je trouvais ça normal de la chanter à place de la République. Et que voilà, et que c'était très douloureux et très touchant de faire ça. Je crois que personne n'a souri ce jour-là. Même en, c'est vrai que sur scène, des fois où je chante, moi j'aime bien sourire, j'avais tout ça. Là, c'était quand même très 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 intime, très touchant quoi. J'ai pas chanté pour le public en plus ce jour-là. J'ai chanté pour eux, pour les disparus. J'avais ta main petite dans la mienne recroquevillée. Nos cœurs battaient de plus en plus vite ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense, élevant à notre place, chanter sans fin sur la place. Mars 2016 déjà. Ça fait toujours drôle de voir cette bête de scène flairer si bien les choses avec ce rester vivant tour, effectué quelques mois à peine avant qu'on lui détecte un putain de cancer du poumon. Mais c'est connu, jamais le rock ne meurt. La maladie, c'est dans la tête. Il faut pas... Moi, je suis pas malade. Je vais très bien. Merci. Soyons heureux. Quoi. On est heureux de vivre, on est toujours là. Hein. Bon. Pour moi, je ne conçois pas finir ma vie sans faire le métier que je fais. Ma vie serait d'un ennui mortel. Non, j'aime ça m'amuse. Et puis j'aime bien me chanter pour les gens. J'aime bien leur transmettre des sentiments que je peux avoir par rapport à des mots, par rapport à des paroles que je chante sur scène. Quand je monte sur scène, je n'ai plus d'appréhension sur rien. Moi, j'ai confiance. Vivant. Il le sera toujours. Johnny Hallyday, emblème de la France rock'n'roll, même si sa vraie patrie reste la scène. Est-ce qu'il est vivant ? Est-ce qu'il est vivant ?